Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je reviens vous montrer la page, la petite page de Art Journal que vous avez pu découvrir dans la chaîne, dans la vidéo précédente dans laquelle je vous montrais ma page d'inspiration pour le mois de juillet. Cette petite page avec ce gnome qui surfe sur la vague, voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai pris un énorme plaisir à la mettre en scène, à la coloriser. Et puis comme je vous expliquais dans cette vidéo, c'est aussi, ce sera l'un de mes mantras que je vais essayer de suivre en juillet, de me laisser, porter par la vague, puisque de toute façon, on ne peut pas changer les choses, donc voilà, on se laisse porter. J'ai pris en base du papier aquarellable, du papier aquarelle, voilà, 100% Coto Fabriano, et je vais venir coloriser ce petit gnome avec mes crayons là qui sont aquarellables de la marque Faber-Castell. Voilà, c'est ceux que j'utilise tout le temps puisque c'est les seuls que j'ai forcément. Ils vont ma foi très bien. Je regrette un peu que les couleurs soient pas un tout petit peu plus vives, même si franchement c'est pas mal. J'avoue que je ziote sur les Derwent Inktense pardon, depuis un petit moment. Vivement Noël, hein, voilà. À bon entendeur, je sais qu'il écoutera certainement ma vidéo. Je parle de mon mari. Voilà, vivement Noël. Donc je colorise ce petit gnome tout simplement. Je suis le packaging. Voilà, encore une fois. Alors c'est vrai que j'aime bien quand les packagings sont mis en couleur. Ça évite voilà, de se poser trop de questions des fois et puis d'aller un petit peu plus rapidement. Donc c'est ce que je fais sur cette colo. C'est un tampon Stamping Bella. De la collection The Gnomes. J'en ai quelques-uns. Voilà, je les aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les tampons All and Create, les poupettes, et j'aime aussi beaucoup les Stamping Bella. C'est pas le même budget, donc voilà. Mais de temps en temps, je me fais plaisir avec un ou deux petits tampons Stamping Bella, dont ces gnomes. Rien de bien précis à vous expliquer sur cette colorisation. De toute façon, je suis pas aquarelliste et je suis pas colorieuse professionnelle. Donc j'y vais un peu à l'instinct. Voilà, j'essaye de faire quelques ombrages de ci de là. Pour la couleur de peau, je pars toujours sur un mélange de jaune et puis de magenta, rose rouge, voilà, entre les deux, de magenta. Je fais un petit mélange et puis je viens souvent j'ai ce problème aussi en aquarelle, c'est que j'ai toujours peur que ce soit trop foncé, donc mais j'oublie qu'en fait ça s'éclaircit beaucoup au séchage, donc voilà, je préfère faire quelque chose de trop clair et revenir plusieurs fois. Je crois que je vais venir 4 ou 5 fois sur ma couleur de peau pour qu'elle soit pas trop claire non plus. Donc voilà, ça me prend un peu plus de temps, mais c'est à force de faire qu'on apprend. Donc je reviens sur la peau, je m'attaque au chapeau, je reviens sur la peau une fois que c'est sec. Bon, mais c'est pas grave. Donc ça me prend du temps. Mais c'est super agréable, j'aime bien travailler avec ces crayons aquarellables. Ça change des feutres à alcool, enfin voilà, c'est un médium que j'aime bien utiliser. Pour la barbe, je vais partir sur un gris tout bête. Et puis vous allez voir que par la suite, je vais revenir avec mes crayons de couleur pour apporter un peu plus de détails. Et puis voilà, les petites lunettes noires. Il est vraiment trop rigolo. Vraiment, j'en ai un autre avec, je crois, avec sa planche de surf.
Je crois aussi que j'en ai un autre avec un coquillage. Enfin bref, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très très drôles. Voilà, donc mes crayons de couleur, j'ai fait une petite sélection. Ce sont les mêmes, les Arte-X. Et puis je reviens sur quelques éléments pour accentuer les ombrages surtout. Et puis vous verrez surtout pour amener du détail aussi au niveau de la barbe pour qu'elle soit un peu plus vivante. Donc je viens faire des poils. Pas tous dans le même sens. Voilà, juste pour donner du contraste et aussi beaucoup de vie à cette barbe. C'est facile au final de revenir avec ces crayons de couleur sur de l'aquarelle ou des crayons aquarellables. Et puis je vais venir faire quelques dessins sur la planche de surf avec mon Artistro blanc. Et voilà, maintenant je viens refaire tous les contours de mon tampon avec un stylo gel noir. Je crois que je vous ai pas mis voilà, oui, je vous ai pas tout mis, mais vous comprenez le principe. Et puis le détourage, très facile. Donc ça, c'est plutôt cool vu que le détourage, c'est pas mon fort. Et puis voilà, la base qui est faite avec de l'encre à alcool. Je m'amuse beaucoup en ce moment avec mes encres à alcool. Et on n'est pas sur un papier Yupo, on est sur un papier mix média. Et en fait, j'ai appris il y a quelques semaines une technique de transfert du papier Yupo à du papier mix média ou aquarelle ou autre. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette technique parce que, en fait, le papier Yupo est quand même assez compliqué pour si on veut venir retravailler dessus. Alors que c'est beaucoup plus simple forcément sur un autre papier. Et du coup, je fais pas mal de fonds que je transfère après sur un papier mix média, dont celui-ci, qui au final, je trouvais ressemblait beaucoup à la mer. Il y avait comme une sorte de vague. Bref, et j'ai tout de suite pensé à ce petit gnome. Et je trouve qu'au final, ce fond s'y prête vraiment bien. Et avec ce genre de fond, on n'a pas besoin de venir le travailler énormément. Il se suffit pratiquement à lui-même. J'ai juste fait une mise en page tout autour. Et ça a suffi au final. Ici, je suis venue faire des tamponnages de feuilles un peu exotique, et vous avez pu voir en tout début de vidéo que je voulais au départ travailler avec des sprays acryliques, et en fait j'ai changé d'avis. J'ai pris des sprays à encre. Alors c'est trois sprays différents avec des verres différents de la marque Carrot Cake, et je crois qu'il y avait un Lindy's dedans que je suis venue asperger un peu au hasard, et pareil, ça fait une colorisation assez rapide. Ensuite, je suis venue tout détourer et, comme à mon habitude, faire toutes les tranches en noir. Je me sers également du Luxe Paper Block Aloha que j'aime beaucoup en ce moment pour venir prendre forcément des fleurs de frangipanier qui sont aussi une source d'inspiration pour moi durant ce mois de juillet. Donc je voulais venir en ajouter sur cette mini page art journal. Et puis j'ai pris, vous voyez en bas, depuis peu, Action a sorti quelques blocs de vellum. Il y en avait un sur le thème de la mer que j'aime énormément. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en rajouter un peu pour imaginer et imager le fond de l'océan avec ses coraux et ses petits poissons rouges. Donc je suis venue en découper un petit bout.
déchiré, tout du moins, voilà, pour avoir un effet déchiré. Je n'ai plus de colle, vous savez, de colle, de dérouleur de colle. Donc je suis venue mettre un peu de scotch double face. Alors ça se voit un petit peu, mais franchement, c'est pas gênant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment le savoir. Moi, je le vois forcément, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Et ça se voit toujours moins que de mettre de la colle toute bête. Et puis maintenant, je viens faire ma mise en page. Donc des fleurs et des feuilles sur le côté. Et puis mon petit gnome qui surfe sur sa vague, voilà, à droite de la page. Je viens coller ça avec ma taquiglue turbo. Je vais venir mettre la grosse fleur de Plumeria, puisque c'est son petit nom botanique, avec de la mousse 3D, voilà, pour apporter un peu de relief. Alors même si au final toutes ces pages que je fais sont après dans une pochette shaker, voilà, j'aime bien mettre quand même un peu d'épaisseur, un peu de relief tout du moins. Dans le paper block, il y avait une petite étoile que je mets également en bas à droite. Voilà, ça, j'aime bien la symétrie et puis que ça donne. Et puis, je trouvais que les couleurs allaient bien. Et puis, on est toujours dans le thème. Une petite étoile de mer, c'était voilà. Ça me plaisait bien. Je colle mon petit gnome. J'ai un petit tampon qui fait penser un peu à des. Je sais plus du tout d'où il vient. Ça me fait un petit peu penser à des mouvements d'eau, des mouvements de vagues. Donc, avec ma Versa fine claire, c'est la brise chaude, je crois. Oui, c'est ça. Je viens en tamponner un petit peu tout autour de mon gnome. Voilà, je laisse sécher et ensuite je découpe ce qui dépasse, les feuilles et les fleurs qui dépassent, puisque là par contre il faut que mes bords soient, voilà, faut pas que ça dépasse pour que ça puisse tenir dans ma pochette. Je viens utiliser le tampon qui était avec le petit gnome qui dit You can't stop the waves, but you can learn to surf. Qui veut dire simplement, tu ne peux pas arrêter la vague, mais tu peux apprendre à surfer. Voilà, c'était plus court de la mettre en anglais que de la mettre en français, et j'avais pas beaucoup de place. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en français. Mais bon, c'est assez facile de traduction, je pense. Alors, en tout cas, pour moi, je viens la mettre avec de la mousse 3D. Voilà, en bas à gauche. Et puis, bah, on va sortir le glossy accent, hein, forcément, pour les lunettes. Et puis, je vais également en mettre sur l'étoile de mer. Je crois que je vous le montre pas, l'étoile de mer, je l'ai fait hors caméra. Je trouvais, voilà, qu'elle se noyait un petit peu au milieu de tout ça. Donc, au final, je l'ai mis aussi avec du glossy accent. Et puis, la plus grosse des fleurs. Je laisse sécher. Je viens faire ensuite quelques. Ah oui, j'ai mis aussi quelques gouttes tout autour. Je trouve que ça amène, alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais ça amène comme s'il y avait des petites gouttelettes d'eau qui giclaient du surf. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, une page toute simple. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Allez, ciao!